l'Orient, disent ces terres lointaines de poésie ardente. Elles recèlent toute la magie, même les épices qu'on verse d'une main distraite tous les jours dans la marmite. Oh, ils n'ont pas l'air convaincus. Galanga, lavande, poivre des moines, fruit d'Asclépiadacé. Il était entre nous plusieurs fois du très court chemin qu'il y a d'ici aux Indes où naissent les épices par la voie de mer, que je tiens pour plus courte que celle que vous faites par les tours de la Guinée. Quetzalcoatl, le serpent à plumes, grand maître de la lune et des vents, s'enorgueillit d'un jardin merveilleux. Le plus bel arbre de ce jardin, c'est le cacahuacahuiltl, le cacaoyer. À moins d'un sol la tasse, le chocolat des Alvarez Sarmiento passe pour être le meilleur de Bayonne. Saveur toujours délicieuse, plus elle en reprend, plus elle en désire.